مع مطلع ثمانينات القرن الماضي وفي غمرة الحرب الأهلية اللبنانية تصاعدت حدة الهجمة الإمبريالية الصهيونية بشكل جنوني بلغت ذروتها في عدوان 1982. دمار هائل ومجازر رهيبة وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. على مرأى ومسمع العالم أجمع وبتواطؤ غالبية الدول الإمبريالية وملحقاتها الرجعية في المنطقة، تحولت قرى ومدن لبنان والمخيمات الفلسطينية لميدان اختبار لأحدث منجزات التقنية العسكرية الإمبريالية الأمريكية. تم اجتياح لبنان وشرعوا بتنفيذ قرار تصفية الثورة الفلسطينية بإشراف أمريكي مباشر. قسم أساسي من البرجوازية اللبنانية تواطأ مع العدوان الصهيوني وشارك في أبشع جرائمه، أولموا لشارون ومجرميه وشربوا الأنخاب على وقع أطنان القنابل التي رميت بها بيروت ومخيماتها. في تلك الحقبة رأى عدد من المناضلين والمناضلات ضرورة توسيع إطار المواجهة عبر ملاحقة ممثلي قوى العدو في عواصم ومدن الدول المتواطئة معهم. أصابوا وأخطأوا بهذا القدر أو ذاك، نجحوا وفشلوا في هذا الأمر أو ذاك، اعتقل بعضهم وحكم عليهم بأحكام تعسفية قاسية جدا سمحت بها موازين القوى الفعلية. جلسات محاكمة الإفراج المشروط كانوا يسألونه: إذا عدت إلى لبنان وقامت إسرائيل بحرب مع لبنان ماذا تفعل؟ فكان يجيب: إسرائيل لا تشن حربا على لبنان، إسرائيل تشن عدوانا على لبنان، غزوا للبنان، وأقوم بما سبق وفعلتموه عندما تعرضت فرنسا للعدوان الخارجي. فيقولون له: أنت إرهابي ويجب أن تبقى في السجن، لأن جورج عبد الله يصر على أن إسرائيل عدوة وعلى أن الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ فرنسا هي دولة عدوانية أيضا. هو في السجن. Palestine, mon sens, ma boussole, ma devise, mon exemple, mon symbole, ma direction, ma route, mon emblème, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise toute mon aspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout malgré les meurtrissures, jamais à genoux devant la pourriture. Palestine, ton courage est exemplaire, salutaire. Je t'envoie mes prières, Shabbat Palestine. Tu m'impressionnes, Alain Dielik, Nariet Fan Microphone. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Moi, j'ai pas suffisamment de vocabulaire pour te raconter à quoi ressemble l'enfer. De raconter Gaza et son calvaire. À quoi ressemble la vie après un raid militaire. Alors je tiens à mettre les choses au clair. Ma vision n'est pas humanitaire. Ma position uniquement solidaire. Je suis toujours partial quand il s'agit de mes frères. Aucune ambiguïté, j'ai clairement choisi mon camp. Instinctivement pour les miens j'ai fait serment. Naturellement du côté de mes parents, du côté de mes ancêtres, du côté de mes enfants. Moi je suis du côté du dominé sans équivoque. Du côté de l'oppressé, du côté du sans-voix, du côté de l'opprimé, du côté du tiers-monde et des peuples martyrisés. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine.
ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je ne suis qu'une conséquence, un résultat. Je ne suis qu'un héritier, on m'a pas donné le choix. On m'a seulement transmis le goût de la liberté, l'insoumission, l'indépendance et la fierté. On m'a transmis la colère, la dignité, l'insurrection, la révolte, la combativité. On m'a transmis la vigilance, la lucidité. On m'a transmis l'algérianité, donc rien à foutre de ton droit international. J'ai pas besoin de tes références occidentales pour savoir qu'Israël n'est qu'une machine coloniale, illicite, illégitime et illégale. Pour savoir que je déteste les nazis de Tzahal, ces acolytes des multinationales, tous ses alliés, ses complices criminels de New York, Buckingham, de Paris ou de Bruxelles. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. En Adjazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je pense que Georges Ibrahim Abdallah, d'abord, c'est un des hommes que je respecte le plus. Je le connais depuis 25 ans. Il est impliqué dans des attentats contre des agents du Mossad et de la CIA. Son pays était occupé. À son procès, il a refusé de répondre en disant « Vous êtes complice de ceux qui ont envahi mon pays ». Il a été condamné à la prison à vie. Mais, en France, la prison à vie, dans son cas, c'est 15 ans. Et au bout de 15 ans, il a droit à demander une liberté conditionnelle. Cette liberté conditionnelle lui a été refusée. Et avec quels arguments? Le State Department américain a osé, dans une note écrite, dire: le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l'éventualité d'une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah. L'Amérique s'est comportée envers la France comme un pays protecteur vers un protectorat. Matahada, quand? C'était le 9 mars 2007. Bon. Et les notes, les gardiens de prison, les psychiatres, tous disent de Georges Ibrahim Abdallah qu'il est d'une intelligence supérieure, qu'il a une instruction supérieure, qu'il est chaleureux, intelligent, ouvert aux autres, qu'il est capable de réadaptation. Georges Ibrahim Abdallah dit « J'ai pris les armes quand mon pays était occupé. Maintenant qu'il n'est plus occupé, j'ai aucune raison de prendre des armes. » Mais ça ne suffit pas aux autorités françaises qui sont soumises à l'influence d'Israël et des États-Unis. Les Américains ont fait des pressions. Comment? Ah ben, ils faisaient des pressions par la voie diplomatique. C'était des notes qui arrivaient dans le procès par l'intermédiaire de leur avocat, qui produisaient les réactions de Washington, de Mme Rice à l'époque, du gouvernement américain, pour peser sur la Cour et peser sur la décision. Il n'est pas douteux qu'au moment du procès, l'intervention américaine a pesé énormément, mais c'était, je répète, un contexte de guerre qui n'est plus aujourd'hui. En 2004, le tribunal a accordé la liberté à Georges Ibrahim Abdallah. Un appel a été fait immédiatement par qui? Par le gouvernement français. C'est-à-dire que dans cette affaire, même les juges sont
troublés par cette situation. Et c'est le gouvernement, aux ordres des Américains, Georges Ibrahim Abdallah ne dit pas « je vais prendre les armes ». Georges Ibrahim Abdallah dit « j'ai pris les armes, quand mon pays était envahi ». Il n'est plus envahi, je n'ai aucune raison de reprendre les armes. Mais je ne vais pas vous promettre à vous que je ne reprendrai pas les armes si Israël envahissait à nouveau mon pays. Ah bon, vous êtes décidé à lutter contre Israël? Si Israël envahit votre pays, eh bien on vous garde en prison. Ce séjour en prison est indigne de la France. Et je l'ai dit, parce que j'ai l'autorité pour le dire. J'ai été pendant la guerre 3 ans volontaire dans les forces françaises libres. Et le général de Gaulle n'aurait jamais accepté que la France se comporte envers les États-Unis comme un pays soumis.